Les taureaux, bienvenue sur 5 Star Tarot, Sun, Moon, Rising and Venus. Julie, merci pour les 10 euros, ça me fait extrêmement plaisir. Merci pour les super chats aussi. Audrey, merci pour les 22-22, ça me fait extrêmement plaisir. Sun, Moon, Rising and Venus, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous parce que moi j'ai que dalle pour vous les taureaux. Bienvenue sur 5 Star Tarot. C'est parti. J'utilise le Morgan Greer. Cutting the deck for Taurus. Sun, Moon, Rising and Venus, les taureaux, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous parce que moi j'ai que dalle pour vous. L'énergie qui porte votre jeu, les taureaux, c'est le Seven of Swords in Reverse. Donc vous ne voulez pas fuir, vous voulez affronter ce démon, cette chose qui est à l'intérieur de vous ici, mes amis taureaux. Et je trouve ça plutôt balèze et plutôt courageux de votre part. Vous avez fait un choix en amour, vous savez ce que vous voulez et vous savez ce que vous ne voulez plus. Et vous n'avez pas envie de fuir votre destinée. En ce moment, votre challenge, c'est le Four of Swords. Donc on vous demande de bien regarder cette vérité en face. On vous demande d'accepter, comme disait Change de Monde, on a tous besoin de se reposer. On vous demande d'accepter, Vanessa, je te fais des gros bisous. Oui, Vanessa Bélier, enfin, énergie de feu. Je te fais des gros bisous et t'inquiète, Vanessa. Bref. Excusez-moi, je reviens à votre rating, les taureaux. Donc, on a le Four of Swords ici qui vient de me dire que c'est une prière, c'est un repos, donc c'est votre challenge ici. Hein, parce qu'il y a un truc de balèze qui vous attend. Mes amis, juste dessous, là, on a le cavalier de Pentacle ici. Donc, écoutez, je pense que vous allez faire des grosses remises. Je suis connecté. Hein, tout ce que je fais, même les gestes, même les trucs que je soulève, je regarde. Là, je peux vous dire que... c'est profond, les taureaux. Hein, c'est-à-dire que vous avez vraiment décidé de laisser le paraître derrière pour vous laisser aller totalement corps et âme dans l'être. Vous allez faire un gros move. Vous êtes guidé par la prospérité ici, par l'as de Pentacle. Ça vient aussi me dire que vous êtes prêt à mettre les 10 000 heures, les 20 000 heures, les 30 000 heures. Ça vient me dire aussi que vous allez passer un portail, que vous avancez vers une épreuve ici, hein, avec la montagne derrière. Mais ça vient aussi me dire que vous allez changer de dimension. Et il y a une histoire d'amour là, il y a une histoire d'amour, hein, bien entendu. Alors, c'était In Reverse, hein, mais je vous fais voir cette carte, elle était In Reverse, hein, mais il y a une histoire d'amour ici, mes amis. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein. L'énergie que vous êtes en train de laisser derrière, c'est... le fait de vous retenir. Mais encore une fois, vous voyez, il y a différentes façons de donner. C'est-à-dire que certaines personnes, tout le monde a son côté un dark side. Hein. On a beau être le meilleur du monde, le plus gentil, tout ça, on a tous un dark side. Qui est équivalent au côté lumineux. Donc, là où il y a de l'ombre, il y a de la lumière. Là où il y a de la lumière, il y a de l'ombre. Et c'est très important de réfléchir à ça des fois parce que c'est ultra puissant. C'est souvent dans les endroits les plus sombres que naissent les plus grands soleils. Hein. Donc, encore une fois, mes amis taureaux, encore une fois, vous savez, le dark side du taureau, c'est le fait de donner pour se faire remarquer. Mais là, vous êtes en train de mettre ça derrière. C'est-à-dire que vous aimez donner, vous aimez montrer, vous aimez acheter, vous aimez to provide, mais pour qu'on vous remarque, pour qu'on vous aime. Mais là, il n'y a plus cette peur, vous êtes en train de la laisser derrière. Donc, c'est vraiment phénoménal.
D'ailleurs, en parlant des endroits sombres et des endroits lumineux, j'allais dire, mais il y avait deux réflexions qui me venaient en même temps, c'est que le conflit israélo-palestinien, d'accord? Les juifs contre les arabes, en gros, hein. La racine de ça, c'est ça, hein. Or, un juif, ça n'existe pas, un arabe, ça n'existe pas. Le jour où les êtres humains comprendront ça, qu'ils ont été conditionnés comme ça, et que ce sont des êtres humains avant tout, qui se battent pour un bout de terre qui leur appartient même pas, c'est l'éveil des consciences. Imaginez. Depuis ce puits sans fond, ce trou sans fond, la lumière qui jaillit de là, où les êtres humains comprennent qu'ils sont terriens avant tout, qu'ils sont tous frères et sœurs. Ok? Hein? C'est pas que les Juifs et les Arabes, bien entendu, un chrétien, ça n'existe pas non plus, un bouddhiste, tout ça, ce sont des conditionnements, encore une fois, ce sont des croyances. Ok? Tout ce qui appartient à un système de pensée, c'est de la croyance. Le fait de croire, c'est le fait de ne pas savoir. On répète cette vérité sur Five Star Tarot chaque jour. On n'a pas besoin d'être une centaine de milliers ici, mais. Hein, c'est un peu comme les trois sens partiels, ils n'ont pas besoin d'être beaucoup, mais leur force est suffisante pour contenir toute l'armée de Xerxès. Exactement. Donc, on a la force in reverse, donc c'est exactement ça. L'ego, les conditionnements, c'est ce que vous êtes en train de mettre de côté ici, les taureaux. Donc, c'est. Vous savez, Nietzsche disait que quand une illusion est blessée, ça fait extrêmement mal, on préfère rester dans sa prison. Vous avez décidé de sortir de votre prison ici, les taureaux. Donc il y a un immense courage dans votre reading là. Ça peut être aussi parti politique, statut social, la race, blanc-noir, corps de souffrance, ok? Je viens de la cité, donc je dois être un dealer ou un rappeur. Ou alors je vais devenir un grand banquier pour être comme 50 Cent, c'est dans sa reine. Vous êtes en train de mettre tout ça de côté. Peu importe d'où vous venez sur la Terre, ok? Vous avez compris que vous étiez tout puissant. Et pour retrouver sa souveraineté, sa toute puissance, il faut ouvrir les bras à la vie, il faut ouvrir son cœur. Pour ouvrir son cœur, pour laisser la place à son cœur, il faut calmer le mental qui nous conditionne. Donc, la méditation. La méditation, c'est quoi? C'est l'observation de la conscience qui nous permet d'ouvrir notre conscience, de développer notre psyché, de nous connaître. Connais-toi toi-même, tu connaîtras la vérité sur toute chose. Donc, les trois arts divins, encore une fois, on mange pour le corps, on dort pour le mental et on médite pour l'esprit, bien entendu. Ok? Vous avancez vers un nouveau départ ici, les taureaux. Encore une fois, l'innocent ne peut blesser personne, l'innocent ne peut être blessé. C'est un nouveau départ, vous avez votre couronne de laurier sur la tête. Ok? Un peu comme Jules César, un peu comme Ressus, là. Ok? Peu importe. Mais ou un peu comme vous-même, en fait, tout simplement, hein, pour pas, voilà. Et puis vous avez aussi une certaine paire de coronesses, hein, les coronesses du taureau qui sont attachées à votre bâton. Regardez-moi cette paire de baloches, mes amis taureaux. Vous êtes costauds, vous êtes solides, vous êtes puissants. Ok. Conseil de l'univers, on a le valet des bâtons. Donc on vous dit que le porno, les addictions et tout ça, vous êtes en train de mettre ça derrière. Vous savez, c'est. Il y a un démon ici, il y a une addiction, quelque chose qui vous retenait. Hein. Vous avez décidé de fonder une famille, vous avez décidé, vous avez envie de fidélité, vous avez envie de commitment. Ça ne veut pas dire que vous allez arrêter de profiter de toutes les joies de la vie, mais vous avez envie de quelque chose de vrai, de stable, de durable, de sincère. Vous avez envie de connaître le grand amour, la paix d'esprit. C'est exactement ça, mes amis. Autour de vous, le roi des pentacles, bien entendu. Mais plus que ça, je vois que c'est vous qui êtes le roi des pentacles, hein, autour de vous. Donc, j'ai l'impression que beaucoup de personnes vous fréquentent par intérêt. Mes amis taureaux, mais c'est vous qui avez bien voulu ça, bien entendu. Dans Hobbs & Fear, on a le valet des coupes in reverse, parce que, bien entendu, l'amour, c'est la vulnérabilité, et vous avez très peur d'être vulnérable, les taureaux. Vous lancez corps et âme dans une relation, avouez à l'autre qu'on l'aime, qu'on veut changer, qu'on veut arrêter les bêtises, qu'on veut se marier, qu'on veut faire des enfants, qu'on veut changer. On a toujours peur d'être rejeté, d'être blessé, hein, d'être. Et je suppose que vous avez connu certaines blessures par le passé, comme par exemple votre meilleur ami qui vous entourloupe ou qui. Une trahison de la part d'un ancien petit copain ou d'une ancienne petite copine. Donc la vie vous a élevé à la dure, mes amis taureaux. Mais néanmoins, regardez, vous terminez avec la reine de bâton ici. Ça vient me dire qu'on ne pourra pas vous dire non, ça vient me dire que vous allez retrouver tout votre potentiel de séduction. Et ça vient me dire que
vous repartez vivre une grande aventure avec le fou ici. Le fou, il va là où les peurs le mènent, mes amis taureaux. En face de vous, une reine de bâton, que ce soit un homme ou une femme, donc quelqu'un qui est très dans la séduction, mais néanmoins qui vous propose quelque chose de concret, de fonder un empire ici, et qui décide de faire un nouveau départ avec vous, mais dans le soul qui se méfie encore de vous, parce que vous lui faites peur. Pourtant, cette personne vous voit comme le roi des pentacles, et vous, vous voyez cette personne comme celle qui pourra vous accompagner dans votre vie future. Tous les deux, vous avez besoin de lier un lien sacré. S'il n'y a pas un lien sacré qui est fait dans le couple, alors votre couple va mourir, bien entendu. Et tous les deux, vous êtes en train d'étudier la question. Il peut y avoir un déménagement, il peut y avoir un déplacement, il peut y avoir une restructuration ici. Vous pourriez, par exemple, complètement repartir, vous refaire une gloire à l'étranger ou c'est quelque chose d'extrêmement passionnant ici. Monter un empire, peut-être même investir dans les personnes dans lesquelles vous croyez et vous coupez des relations qui vous sont inutiles ici. Vous avez fait votre choix. On dit que la certitude est le pire ennemi de l'homme, mes amis taureaux, mais permettez-vous de douter de temps en temps pour vous remettre en question. Vous ne voulez plus donner aux personnes qui ne vous rendent pas l'appareil et vous avez le valet des bâtons. J'ai l'impression que vous n'avez pas envie de vous brûler, les taureaux, et que vous allez faire attention ici parce que, en tout cas, laissez-moi vous dire que si vous voulez partir dans l'énergie de la reine des bâtons, et je veux bien entendu parler du mauvais côté, je pense que si vous voulez apprendre une leçon, vous allez apprendre la leçon, les taureaux. Et je pense que là, ce sera la dernière fois parce que ça va être quelque chose de balèze en ce qui vous concerne. Maintenant, pour ceux qui ont fait leur choix et le bon choix et qui ne veulent plus faire semblant d'être qui ils sont, c'est-à-dire d'être de très bonnes personnes, le vrai philanthrope, c'est celui qui donne sans attendre un retour. Et le valet des bâtons in reverse dans le sort qui vient me dire que justement, vous n'allez plus vers le one night, l'histoire de tirer un coup quoi. Non, là c'est vraiment le mariage, le commitment construit. Derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Derrière chaque grande femme, il y a un grand homme. Et je pense que vous avez trouvé la perle rare ici et que ça vous redonne envie de séduire ici, mais que vous avez très peur d'être blessé. D'accord. Donc vous allez y retourner, les taureaux, vous allez y retourner, le fou ne peut blesser personne, le fou ne peut être blessé, vous mettez l'ego de côté, hein. Elle n'a pas besoin ici de force pour maîtriser la structure du lion, hein. Vous savez, plus le maître est grand et moins la technique se voit, d'accord. Je vois, on sait tous, pour certains qui sont dans le milieu du système A, par exemple, que le colonel Riabko nous a quitté il y a quelques jours là. Et je vois encore des sites qui se moquent de lui, en fait, parce qu'il avait un petit peu comme Tamura, vous savez, les techniques divines. C'est-à-dire que plus la technique est puissante et plus le maître est grand, moins l'œil peut voir et comprendre les choses dans ce qu'il faisait. Mais quand on s'entraîne avec quelqu'un qui a une psyché développée, qui sait utiliser son chi, en fait, son énergie interne, on est souvent surpris et déboussolé. Mais il y a des personnes qui n'ont jamais expérimenté et qui se contentent de se moquer, en fait, et de faire de la propagande sur les réseaux sociaux. C'est ce qu'on appelle les minables, bien entendu. Mais laissons les moqueurs aux moqueurs. Mais tout ça pour vous dire que il ne faut pas de force pour manipuler la structure de la bête ici, d'accord. Et il y a beaucoup de choses qui sont faites dans l'apparence aujourd'hui, hein. C'est la névrose, c'est la stupidité, hein, qu'on voit à la télé, sur les réseaux sociaux, beaucoup sur Internet, même sur YouTube, hein. Mais c'est pas grave, vous savez, il y a trois choses qu'on ne peut pas cacher, le soleil, la lune et la vérité, en ce bas monde, bien entendu. Mes amis, plus la technique est grande et moins ça se voit à l'œil. Ce que j'entends par là, c'est que vous, les taureaux, vous ne faites plus semblant. C'est-à-dire qu'il y a un changement puissant à l'intérieur de votre être ici, inside. D'accord ? Donc, je pense que ce changement à l'intérieur de vous, il est imperceptible. Il est imperceptible, mais c'est un grand changement ici.
Et je pense qu'on ne pourra pas vous dire non, les taureaux. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qu'on voit. OK? Quand on voit, par exemple, justement, M. Riepko ou Tamura, qui est mort aussi en 2010, quand on voit les choses que faisaient les techniques que faisaient ces mecs-là, en fait, ces hommes-là, c'était. On ne pouvait pas comprendre avec l'œil, mais il fallait y aller, il fallait ressentir pour pouvoir vivre ça. Et ça marche, bien entendu, le corps avec l'esprit. Donc ceux qui comprennent ces techniques n'ont pas besoin de déblatérer, en fait. On montre et puis ça s'arrête là. Encore faut-il vouloir apprendre. Vous savez, les taureaux, j'ai l'impression que dans votre entourage, il y a aussi énormément de personnes qui. Il y a énormément de cafards. Hein. Donc faites quand même attention aux personnes que vous fréquentez ici. Hein. Mais je vous parle d'une restructuration ici. Je pense que vous allez faire une grosse restructuration. Je pense que vous savez exactement avec qui vous devez vous séparer ici, les taureaux. Et peut-être même de certaines habitudes. Je ne vois pas le diable ici. Ça vient me dire que vous avez réussi à conscientiser tout ça et que vous arrivez à vous défaire de ça. Vous êtes en train de trouver la paix et la plénitude à l'intérieur de vous ici, les taureaux. Allez, c'est parti, on va clarifier toutes ces cartes et je vais clarifier le Seven of Swords. Nietzsche disait souvent que la moquerie, c'est le propre du minable et que le minable, c'était vraiment la pire des insultes que l'on pouvait faire à un homme. Possiblement, j'ai l'impression que vous êtes en train de vous rendre compte dans votre entourage qu'il y a certains comportements ici que vous ne pouvez plus tolérer. Mais vous allez faire les choses silencieusement et intelligemment, mes amis taureaux. Et vous allez laisser l'univers se charger du reste. En tout cas, la reine de bâton, je trouve ça quand même assez excitant parce que ça peut vouloir me dire qu'il y a quelque chose qui vous fait peur en face. Mais c'est du concret, c'est du concret. Hein. Cette personne aussi, elle a peur, elle a extrêmement peur. Je pense que vous êtes en train de remettre sa vision des choses et qu'elle a besoin d'un temps pour pouvoir introspecter tout ça. J'ai l'impression aussi que votre curiosité grandit envers le monde spirituel, mes amis taureaux. J'aimerais clarifier le Seven of Swords ici. Clarifions le Seven of Swords ensemble. Pour clarifier le Seven of Swords, vous avez The Ace of Truth. Donc vous voyez la vérité ici, mes amis. L'amour, ok? Donc il y a une histoire d'amour ici, hein. Il y a une histoire d'amour, il y a un nouveau départ, la reine des boucliers. Donc vous savez où investir, vous voulez changer toute votre vie, vous êtes en train de faire ça intelligemment. Et nous avons le Seven of Cups, c'est parce que vous êtes encore dans l'illusion et que vous n'arrivez pas à dissiper l'illusion. Vous en êtes là, mais vous allez y arriver, mes amis taureaux, je n'en doute pas. Pour aller clarifier les lovers ici, j'aimerais comprendre les amants ici, ça s'appelle les amants dans le Morgan Greer. N'oubliez pas que vous pouvez booker un reading privé avec moi. Il n'y a plus de place avant le 24, mais après le 24, il y a encore des créneaux dispo. Tous les créneaux disponibles sont en vert sur Five Star Tarot. Vous pouvez venir me voir sur Instagram, Five Star Tarot. Et si vous me faites le virement PayPal, je peux demander à mon webmaster de vous faire une place. Mais sinon, vous allez directement sur le site. Hein, les créneaux disponibles sont en vert. Five Star Tarot, HTTPS, fivestartarot.com. Mes amis, nous avons les amants in reverse. Vous avez la reine d'épée, c'est celle qui décide, c'est celle qui tranche la racine latine de décider. C'est celle qui a la clarté, c'est celle qui connaît la vérité, c'est celle qui se libère. Vous avez envie de vivre votre plus grande vie ici. On a le roi des boucliers, bien entendu, ici. Donc le couple parfait qui va avec la reine des boucliers. Donc vous voulez
Derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Derrière chaque grande femme, il y a un grand homme. Et vous avez envie de construire ici. Ok. La grande prêtresse, vous gardez vos secrets pour vous. Vous êtes énigmatique, les taureaux. Vous avez raison. Et vous êtes aussi ultra sexy. That's what's up. Incroyable. La tempérance dans le sort. Vous allez bientôt vous réveiller. Il y a quelque chose ici qui est en train de vous guider. Une puissance entre ombre et lumière qui est en train de vous guider ici. C'est fantastique. C'est fantastique. Une grande histoire d'amour ici. Hein. Le Four of Swords. On va clarifier le Four of Swords, my friend Taurus. Vous savez ce que vous voulez. Vous voulez vous pardonner à vous-même. Quelqu'un qui ne peut pas se pardonner à soi-même ne peut pas pardonner aux autres. Et vous allez vous pardonner à vous-même pour les chemins que vous avez empruntés dans la vie. Vous allez lâcher prise. Vous allez lâcher prise. Une fois que vous aurez terminé votre contemplation, votre méditation, vidéo numéro 3, nature de la méditation et awareness system, vous allez passer à l'action. On a le cavalier des cornes, donc une nouvelle histoire d'amour, ok ? Et le monde, toute votre vie va changer. C'est une arcane majeure. Si vous voulez que votre monde change, vous devez changer de monde. Donc, big up à change de monde. Qui est vierge et qui m'a fait un petit bisou sur les vierges. Abonnez-vous à change de monde. Elle est fantastique. As de Pentacle. As de Pentacle, ici. Pour clarifier l'As de Pentacle, le pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel. Ne l'oubliez pas, mes amis. Ok ? Les taureaux. Ok ? Dans le cœur, ici. Encore une fois, mon site One System, vidéo 1 à 12, tous les chakras, tous les mondes vibratoires, quels sont leurs pouvoirs, comment les activer, comment les utiliser dans la vie de tous les jours. Et nous avons l'As de Pentacle ici avec le chariot. C'est encore une arcane majeure. Je pense qu'une personne pense ici être avec vous et pense que vous pouvez la mener vers la victoire, mes amis taureaux. Et je pense aussi que vous avez envie d'avancer vers la victoire et que vous êtes guidé par les instances supérieures pour aller vers la victoire. On a le Ten of Swords, donc ça vient me dire que vous êtes en train de sortir de la souffrance une bonne fois pour toutes. Vous êtes en train de reprendre les bonnes habitudes. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Nous avons la Lune. Donc, une personne a très peur ici de se mettre avec vous. Cette personne va choisir la peur ou l'amour. Ça dépend de vous, mes amis. Ça dépend de vous. On a la Reine de Cordes. En fait, il y a une personne qui est prête pour une histoire d'amour, mais qui est encore seule ici. Et qui ne veut pas se mettre avec vous parce qu'il y a encore des peurs et il y a encore des doutes ici. Mais qui est guidé pour aller vers vous ici. C'est une histoire de destinée, d'accord ? Et cette personne vous attire avec la Reine de Bâton ici. On va clarifier le Six of Pentacles. On va clarifier le Six of Pentacles, my friend Taurus. Bien entendu, nous avons l'ermite parce que vous avez compris que vous avez donné aux mauvaises personnes. C'est comme si vous aviez des meilleurs amis, une famille que vous donniez aux mauvaises personnes. Les personnes qui vous fréquentent par apparence. D'accord. Nous avons le 7 de bouclier ici. Il y a une insatisfaction qui est ressentie, qui est comprise ici. Vous êtes en train de mettre ça dans le passé. Nous avons le Three of Swords. Ça a été une énorme blessure. Okay. Et nous avons le Valet d'épée. Donc, vous avez vraiment envie de remédier à ça. Hein. Une fois qu'on a compris son erreur, on ne reproduit pas ses erreurs. On ne se regarde pas dans la glace en se disant « j'ai fait ça, je suis horrible, je suis un monstre ». Non, on laisse ça derrière. Je vais maintenant aller clarifier la force, mes amis taureaux. Je vais maintenant aller clarifier la force, my friend Taurus. Et plus le reading avance, plus ce reading est puissant. Nous avons le Four of Cups. On vous demande de ne pas ignorer la spiritualité. On vous demande de ne pas ignorer la religion. C'est pour ceux qui ont peur de la mort. La spiritualité, c'est ceux qui sont déjà morts. Connais-toi toi-même et tu connaîtras la nature de toute chose. Donc la vie, la mort et l'amour, bien entendu. Okay ? La méditation, c'est ce qui amène à nous connaître, à développer notre psyché, à nous transcender. Okay ? La force, regardez le diable ici qui veut vous faire croire que vous êtes celui-là et que c'est votre destin, le corps de souffrance, le roi des bâtons. Vous allez renaître, exactement, la spiritualité, c'est celui qui est déjà mort, qui renaît des cendres comme le phénix. Comme un valeureux guerrier poussé par la passion, exactement, vers une nouvelle histoire. Ok, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Vous êtes en train de renaître de vos cendres, d'accord ? Le fou. Et je pense que ce que vous allez faire va pouvoir inspirer le monde, mes amis taureaux. Vous allez pouvoir inspirer le monde. Ok ?
Peut-être que vous avez envie de laisser une legacy derrière, ce sera avec la bonne personne. Nous avons, vous voulez plus jouer dans la cour des gamins là. Là maintenant, vous allez jouer dans la cour des grands. Ce sera le titre de votre rising. Maintenant, vous allez jouer dans la cour des grands là. OK? On a le Nine of Swords ici. Donc on quitte la nuit noire de l'âme une bonne fois pour toutes. Le roi des cornes, c'est exactement ça. OK? Le roi des cornes qui va offrir sa coupe à la reine des cornes, bien entendu. Le valet d'épée, bien entendu, parce que vous avez encore envie de vivre une aventure et que vous êtes des guerriers et des guerrières intrépides à l'intérieur. Et le magicien, parce que ceci va changer toute votre vie. Les basses vibrations en hautes vibrations, bien entendu. C'est excellent. C'est excellent, les taureaux. On va clarifier le valet de bâton ici. Cette personne qui est juste en face de vous, elle se renseigne énormément sur vous. Elle a énormément de sentiments extrêmement profonds. Et elle compte sur vous pour changer toute sa vie. Cette personne a aussi la prétention, peut-être qu'elle a raison. Et juste au moment où je dis ça, j'en tremble les taureaux. Cette personne a la prétention que tous les deux réunis, vous pourriez changer le monde et même gouverner le monde, mes amis, avec le hiérophante. C'est un mariage, c'est un choix. C'est l'autorité religieuse qui règne sur le monde, religieux qui n'a rien à voir avec religion, d'accord ? Donc c'est une personne qui a la prétention ici de pouvoir régner sur le monde à vos côtés. C'est vraiment la naissance d'un empire ici. C'est aussi une histoire flamme jumelle. Il y a le Four of Wands qui s'est retourné. Donc c'est une histoire de destinée. C'est une histoire puissante ici, mes amis taureaux. N'en doutez pas. Et vous faites tous partie de ce cycle cosmique. Ok ? Valet des bâtons. Le valet des bâtons, nous avons le Ten of Pentacles ici. Donc, c'est la legacy, c'est la légitimité, c'est la transmission. Il faut un village pour pouvoir éduquer un enfant. Il faut un village. Donc, encore une fois, vous allez fonder ce village, mes amis. Nous avons le Five of Swords. C'est exactement. Vous quittez le fait de vouloir obtenir la victoire à tout prix avec les choses qui ne marchent plus ici. La Dance of Change. Vous êtes en train de comprendre ces choses et vous allez vous réunir avec l'être aimé ici et nous avons le Nine of Pentacles ici. Parce que dans le sort, vous savez en fait qui peut être à la hauteur de vos aspirations ici. Ok ? Vous savez qui est à la hauteur de vos aspirations, vous savez avec qui vous pouvez former un couple puissant, vous savez avec qui vous pouvez inspirer le monde. C'est exactement ça. On va très très haut dans ce reading parce que la reine de bâton ici a de très grandes aspirations en ce qui vous concerne, my friend. Le roi des pentacles, encore une fois, on a le 6 de bâton, donc la victoire, ok, avec cette personne. Une famille, bien entendu. On brûle. Ça, c'est les gens, en fait, qui viennent vous brûler, en fait. La vieille sorcière qui était à l'intérieur de vous, que vous soyez homme ou femme, ok. Le passé, vous êtes en train de brûler tout ça, ok. Et pour terminer, on a le 8 de bâton parce que vous avez envie, c'est une énergie des sagittaires. Vous avez une envie d'aventure, vous avez une envie de vous ouvrir, encore une fois, d'ouvrir les bras à la vie, c'est exactement ça. Okay. Donc vous êtes en train de brûler les démons à l'intérieur, vous êtes en train de vous exorciser, c'est exactement ça. Vous êtes en train de brûler votre ancien vous, exactement. On retire la reine des bâtons et la reine d'épée ici, ok ? Ça vient me dire que en fait, vous allez brûler, si vous voulez, il y a un gros changement ici. Il y a un gros changement, c'est-à-dire que vous voyez la vérité, vous voyez la limpidité et vous avez décidé de passer à l'action ici. On a le cavalier des boucliers. Cette personne en face, elle attend une proposition sincère. Vous êtes à l'arrêt pour cette proposition sincère, les taureaux. Mais des quatre cavaliers, c'est toujours celui-là qui passe la ligne d'arrivée. D'accord ? On a la force. S'il n'y a pas de lien spirituel avec la vie, vous ne pourrez pas vous mettre en couple avec cette personne. D'accord ? On a cette personne bosse. Cette personne, c'est cette personne qui pourrait vous amener au top, au sommet du monde. D'accord ? Et on a le valet des boucliers. D'accord ? Parce que cette personne, je pense qu'elle a quelque part un cœur pur, mais qu'elle a quelque chose de très concret à vous offrir. Okay? Et peut-être que vous aurez à protéger cette personne, mais peut-être que cette personne aussi pourrait vous protéger et vous stabiliser émotionnellement et psychologiquement. Okay?
On va clarifier la reine des bâtons ici. En tout cas, c'est simple. Il y a des énergies dans le jeu ici qui veulent consumer avec vous. Et il y a une énergie ici qui veut construire avec vous. Vous êtes en train de tendre maintenant vers l'énergie qui veut construire avec vous. Si vous voulez repartir vers le consumérisme, les taureaux, ça va faire très mal. Ça m'arrive aussi de faire des mises en garde. Maintenant, vous n'avez pas besoin de ma mise en garde. Si vous voulez avancer vers votre destinée ici et sortir de l'illusion, vous pouvez rejoindre la reine des boucliers ici. Nous avons le 9 de coupe, ok ? Parce que bien entendu, la reine de bâton, elle a envie de jouer avec vous. Hein. Ça, c'est clair et net. Mais on a le cavalier des boucliers. C'est pour quelque chose de concret ici. Hein. Ouais. Bien entendu. Et pour terminer, on a le Five of Pentacles, bien entendu. Donc, dans le sort. Donc, encore une fois, il y a une blessure d'injustice, il y a une blessure de trahison. Vous vous êtes rendu compte des mauvais choix que vous avez fait par le passé. Ici, vous pouvez vous unir avec la personne de votre vie ici, les taureaux. Encore une fois, ça passe par le pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel. Mais avant tout, ça passe par vous-même, le pardon de vous-même. Même si vous avez fait des choix pauvres par le passé, vous pouvez faire le choix qui va faire en sorte que vous puissiez fonder un empire ici. Mais je sais que vous avez la vision très claire là-dessus et que vous savez exactement de quoi je vous parle ici, mes amis taureaux. Donc, n'oubliez pas la spiritualité, hein. Toute composante de l'univers est matière, mentale et divin. Okay, on mange, on se nourrit, pardon, pour la matière, tout ce qui a une masse, qui est quantifiable, hein, qui est mesurable, le cerveau interprète tout ce qu'il peut mesurer. On a bien entendu le mental, okay, donc on dort pour reconditionner le mental, okay, la pensée qui peut tout inventer, nos lois, mais aussi nos peurs et nos névroses et détruire le monde, mais aussi faire des choses merveilleuses. Hein. Et on a le spirituel, bien entendu, le spirit. Et le spirit, le troisième art divin, hein, après se nourrir et dormir, c'est bien entendu la méditation. Et la méditation, qu'est-ce que c'est? C'est l'observation de la conscience. Quand on est seul, quand on a le dos droit, bien entendu. Quand on est sur son trône, allez voir la guidance des vierges pour comprendre mes propos. Ici, mes amis taureaux, je vais demander un conseil de l'univers en quatre cartes ou juste un message de l'univers en quatre cartes en ce qui vous concerne parce que ça a l'air quand même d'être un reading ultra puissant. Ça va vous demander une sacrée dose de coronesse et une sacrée dose de courage, les taureaux, pour faire ce que vous allez faire là. Changer toute votre vie, exactement. Il y a des personnes qui ne s'y attendent pas, celles qui ouvrent les portes de l'amour universel vaincra. Okay. Pas les serpents et les cafards. Qui veulent que vous restiez dans les croyances, dans les dogmes, dans les préjugés, dans la culture, dans le nationalisme, dans le groupe, dans les appartenances. Si vous faites partie d'un groupe, quittez-le. Si vous avez des appartenances, quittez-les. Soyez en solitude, en présence de vous-même, pour trouver la vérité, votre vérité, mes amis taureaux. Mais je pense que vous l'avez déjà trouvé, mais vous avez juste peur. Donc vous avez besoin de plus de méditation pour avoir de moins en moins peur, pour pouvoir enfin passer à l'action. N'oubliez pas d'incorporer la méditation dans toutes vos actions, que ce soit une parole, une rencontre, un voyage, ok? Nous avons le Ten of Pentacles, vous allez jouer pour du gros là, c'est un empire hein, que vous allez construire. Maintenant on joue dans la cour des grands, les taureaux, la tour, ouais, c'est fracassant. C'est fracassant parce que vous avez des... et c'est une belle aventure, d'accord? Nous avons le Five of Pentacles, il était in reverse, d'accord? Mais je le remets upright, ça vient me dire que, encore une fois... La responsabilité, c'est quelque chose qu'on ne veut pas faire. Ça peut être vos enfants, ça peut être le mari, ça peut être la maison, ça peut être un travail. La responsabilité, c'est quelque chose qu'on ne veut pas faire. Ok ? Et pour terminer, on a le Three of Cups, ici. Donc, avec bien entendu l'empereur qui est juste derrière ici et la Wheel of Fortune. Et vous ne pourrez pas, vous pouvez partir, mais seul. Vous devrez partir seul ici. Ok, donc les taureaux, vous savez, rien ne, l'un ne va pas sans l'autre. Hein, je veux dire, c'est peut-être dans la discipline, dans le commitment que vous allez trouver votre vrai bonheur et aussi de vous établir avec des personnes qui vont vous élever. D'accord ?
Est-ce que vous pensez que vous avez vraiment gros à perdre ici, les taureaux? Je ne crois pas. Je pense qu'un pas devant l'autre, et plus vous allez avancer vers votre destination, plus vous vous rendrez compte que vous auriez possiblement dû faire le pas plus tôt, ou cette réalisation plus tôt, mais on ne peut pas presser les choses. Maintenant, on vous demande d'avoir du courage et d'avancer vers votre destination ici. Oui, je vois deux énergies. Je vois une énergie qui est avec vous pour le paraître, pour toutes les mauvaises raisons. Mais je vois dans toutes ces énergies, dans tout ce capharnaüm, je vois une bonne énergie qui a la prétention de penser que réunis ensemble, vous pourriez changer le monde. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire, non? Alors, je peux comprendre que un amour aussi puissant que celui-là, je peux comprendre qu'il fasse peur, les taureaux, et qu'on ait tout de suite envie de venir faire intervenir la pensée. Mais ne mourrez pas sans avoir chanté votre chanson. Ne l'enterrez pas, les taureaux. Vous êtes... Tous les êtres humains meurent, mais combien d'entre eux vivent pleinement? C'est exactement ça. Le fait que tout le monde ait eu un téléphone, le fait que la monnaie est en train de disparaître, tout ça, ça a un but bien précis, c'est pour que certaines personnes puissent obtenir l'immortalité avec les ordinateurs quantiques qui seront opérationnels dans une dizaine d'années, qui n'a rien à voir avec ChatGPT. Les ordinateurs aujourd'hui sont ultra perfectionnés, mais utilisent encore le binaire 0 et 1. Mais les ordinateurs quantiques utilisent les atomes, utilisent la matière, utilisent les atomes, utilisent l'énergie. Donc, ils vont pouvoir se créer leur propre conscience et être connectés directement avec l'univers, d'accord? Parce qu'ils puisent l'énergie de l'univers. En fait, nous sommes les constructeurs de ces ordinateurs quantiques. Et tous les petits téléphones que nous avons à notre disposition, quand nous communiquons, quand nous utilisons ChatGPT, quand nous envoyons des messages, des textes, qu'on se filme et tout ça, c'est toute la mémoire de l'humanité collectée par les nouveaux supra-ordinateurs quantiques, en fait, qui utilisent ça pour pouvoir développer un nouveau réseau neuronal, d'accord? Donc, et vous allez me dire, les civilisations qui nous ont créé, les anciennes civilisations, les Atlantes, les Sumériens, les Babyloniens, le royaume de Kerm, ont eux aussi des super ordinateurs. Ceux qui se trouvent au centre de la Terre, sous l'eau, Telos, Agartha, ou sur les autres planètes existantes dans notre système solaire. Parce que bien entendu, la NASA et la marine marchande et l'aviation civile et la télévision, la radio, les politiques, bien entendu, et l'école, qui sont des usines à endoctrinement et à conditionnement, nous mentent, hein, depuis la naissance jusqu'au berceau. Hein, nous sommes de simples produits, justement, pour nourrir cet ordinateur quantique. Hein. Et ça fait rire encore certaines personnes aujourd'hui, mais dans 10 ans, 20 ans, ces personnes riront beaucoup moins, bien entendu. Parce qu'il y a trois choses qu'on ne peut pas cacher, c'est la vérité, le soleil et la lune, ou la lune, le soleil, la vérité, peu importe. Mais les nouveaux ordinateurs quantiques, eux, puissent directement l'énergie, en fait, des atomes, en fait. Donc, ils pourront se développer leur propre conscience, ok? Et à chaque fois qu'on utilise ces petits téléphones, eh ben, on nourrit tout ça, ok? Donc, c'est très bien, hein, c'est un merveilleux servant, mais ça peut être aussi un maître très dangereux, mes amis taureaux. Donc, n'oubliez pas de garder votre humanité, n'oubliez pas de protéger votre humanité et n'oubliez pas d'avancer dans ce sens, ok? Et l'être humain est capable de faire de grandes choses, ok? Donc, ne passez pas votre vie à vous moquer ou alors à stresser, ok? Vous êtes de grands penseurs, les taureaux. Krishnamurti était taureau, c'était la sagesse incarnée, ok? Certainement un de mes plus grands influenceurs, ça c'est clair et net, monsieur Krishnamurti, Jiddu Krishnamurti, qui était taureau. Tous les êtres humains meurent, mais combien d'entre eux vivent pleinement? Exactement. J'avais vu ça dans Conte Terre et Mer, en fait, qu'on peut trouver sur Netflix. Hein, tout ce qui fait la beauté de la vie, c'est la mort, bien entendu. Et de toute façon, nous sommes immortels parce que l'énergie ne peut pas mourir, mais peut être transférée, ok, dans autre chose. Et encore une fois, notre âme est immortelle, mais connais-toi toi-même et tu connaîtras la nature de toute chose. Le mot n'est pas la chose. Là, on rentre vraiment dans le domaine de l'ineffable, que les religions ont tenté d'expliquer, mais qu'on ne peut pas expliquer. Okay? Donc il faut calmer le mental et aller dans le cœur pour comprendre ça. Tous les jours, vivre, c'est apprendre à mourir, disaient les anciens. Tous les êtres humains meurent, mais combien d'entre eux vivent pleinement? Je vous le répète, lorsque vous réalisez que cet instant pourrait être le dernier, vivre la vie à plein poumon, les taureaux, alors vous ne vous posez plus de questions. Vous savourez ce moment en étant heureux sans raison. Le dernier instant, la Wheel of Fortune, toute votre vie est en train de changer, mes amis taureaux.
Vous allez peut-être faire un grand move pour une déception, mais au moins vous aurez le cœur net, le cœur clear en fait, et vous pourrez voguer vers votre nouvelle destination sans avoir de rancœur. Parlez sans réfléchir et votre savoir inné jaillira naturellement. Agissez sans aucune anticipation et votre authenticité se révélera à vous. Soyez heureux sans raison et vous savourerez chaque instant avec la même intensité. Vous allez jouer dans la cour des grands, les taureaux. L'union à soi. La plus belle union est l'union à soi. Dites oui à ce que vous êtes maintenant et toute votre vie se transformera. Il va falloir une sacrée dose de courage pour tout ça, mes amis taureaux. Maintenant que le reading est fini, si vous me demandiez « Jay, toi, tu aurais le courage de faire tout ça ?» J'en suis pas sûr. Mais pourtant, tu pratiques la méditation. Ouais, bah, j'en suis pas sûr. Je vais être honnête avec vous, les taureaux. J'ai l'impression que la difficulté et la grandeur de la tâche qui vous attend est... Encore une fois, c'est comme si vous alliez déplacer des montagnes ici. Mais... En combinant le mental avec le cœur, la pierre philosophale, vous allez pouvoir déplacer des montagnes, je n'en doute pas. Une grosse restructuration de votre vie pour le meilleur ici, et je pense que vous serez capable d'accomplir des miracles, les taureaux. À bientôt, les amis.